Cette année, plein feu sur l'Espagne à la Grande Dégustation de Montréal, qui a vu le jour dans le même temps que les Romains, avec 12 régions vinicoles, mais on connaît surtout la Rioja et Ribera del Duero. Pourquoi? Parce qu'on plante un cépage roi qui s'appelle le Tempranillo, qui donne d'excellents vins, surtout lorsque c'est vieilli. Pensez aux Crianza, Reserva, Grande Reserva. Faut pas omettre une région qui est vraiment un coup de cœur, le Priorat pour le Grenache ou le Carignan. Et aussi, on fait d'excellents mousseux, pensez aux Cava, ou des blancs. Il y a des blancs un peu moins connus, mais qui valent vraiment la peine, comme l'Albarino, très vif, éclatant, un peu comme le Sauvignon blanc, et le Godello à découvrir plus vineux et rond. Alors, venez voir l'Espagne sous toutes ses formes à la Grande Dégustation de Montréal.